Eh mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, évidemment. Si j'ai changé de sprite, ça veut dire toute nouvelle intro. Hello mes petits chatons, j'espère que vous êtes au top, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai enfin fini de faire mes sprites et que j'avais vraiment envie de vous montrer tous les speed paint et les améliorations surtout. Ça m'a pris beaucoup de temps pour tous les faire et j'espère sincèrement qu'ils vous plairont. Bonne vidéo! Différence, elle est claire. Oh là là, ça faisait si longtemps que j'ai pas regardé mes sprites, mais c'était une catastrophe niveau proportion. Regardez-moi ces pattes. Et pourquoi est-ce que je foutais du blanc dans leurs oreilles? Je sais pas, c'est chelou. Oh là là. Celle-là. J'aime beaucoup mieux que celle de droite, donc qui est l'ancienne. Bon, déjà, avant, il y avait des problèmes au niveau de la couleur de la bouche, mais surtout, bah, la queue est bien plus belle, et puis il y a beaucoup de, bonne humeur qui se dégage de son visage, j'aime bien. On voit que les pattes, ça a évolué, le cou, tout ça, niveau proportion, c'est bon. Il y a toujours ce blanc dégueulasse, je sais pas pourquoi. Non, franchement, celui-ci, je suis vraiment contente, j'ai vraiment gagné au change. J'aime beaucoup le dessin que j'ai fait, enfin que j'ai redroit du coup, mais pour moi c'est pas la même expression. Bon, déjà celle-ci, il y a un petit problème avec les moustaches, mais c'était une de mes préférées. Mais je ne sais pas, pour moi celle de gauche c'est inquiète et celle de droite c'est abattue. Mais en vrai, ça restait une expression triste, soucieuse du coup. Ça me va, j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, j'aime bien ce dessin, même s'il a le cou un peu long. Mais niveau proportion et tout, ombre, lumière, j'aime bien. Encore une fois, je demande votre avis pour mes nouveaux sprites, parce que si vous trouvez que c'est moche, dites-moi que c'est moche. Enfin, dites pas pourquoi, mais voilà. Moi, je ne veux que m'améliorer. Non, franchement, celle-ci, c'est une de mes préférées. Parce que j'aime beaucoup les petits papillons, puis la pose, la queue qui est très belle, je trouve. Attends, avant qu'on me gueule dessus, parce que j'ai décalqué, ce sont des croquis fritouilleuses. J'ai bien vérifié. Je vais pas mettre les noms des artistes, parce que justement, c'est le principe de fritouilleuse. Il n'est pas marqué qu'il faut créditer. Du coup, c'est bon. Voilà. Ne me gueulez pas dessus, s'il vous plaît. Je suis dans la légalité. Non, parce que je sais qu'au tout début de mes vidéos, par exemple, rien que mes deux premières intros,
c'était avec des images qui ne m'appartenaient pas du tout, parce que j'avais pas du tout dans la tête ce concept-là de droit, pas droit. Enfin bref, revenons au dessin, parce que ça commence à faire long. Non, franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux que celui d'avant qui est un peu bizarre d'ailleurs, sa tête est dans un angle chelou. Non, je suis vraiment fan, j'ai même un petit cœur là, je suis émue, mon sprite est magnifique. Oui, je m'auto-lance des fleurs, y'a un problème? Celui-ci, j'ai pas grand chose à dire. Cette vidéo va durer une demi-heure, c'est pas possible. Non, en fait, pour celui-ci, c'est surtout l'expression de visage qui compte, parce que la pose est pas incroyable, il est un peu haut sur pattes, enfin, mais c'est pas grave, il passe, je suis satisfaite, voilà. Ça passe, mais je sais pas, je préférais celui de droite, enfin pas au niveau du trait, des ondes, des lumières et tout. La pose était mieux, c'était mignon. Je crois que c'était celui mon. Lui c'était un de mes préférés à l'époque. Je sais pas, c'était pas comme je l'avais imaginé, parce qu'un jour il y aura sûrement un nouveau redra, ou peut-être l'année prochaine, ou enfin si je change de style, évidemment je referai mes sprites à nouveau. À mon avis, ce sera pas le premier des redra. Je sais pas, c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais en vrai je trouve que ça passe. Dites-moi votre avis là-dessus. Franchement satisfaite. Bon, les pattes, ça fait un truc un petit peu bizarre. J'aurais peut-être dû les faire plus tendues, mais en vrai, c'est pas très grave. C'est surtout l'expression du visage qui compte. C'est un peu en mode what the fuck. Enfin, je sais pas en fait. Enfin, ça, je sais pas. Et non, franchement, j'aime bien. Validé pour moi. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais répéter cette phrase un milliard de fois, mais c'est pas grave. Franchement, je suis assez satisfaite. Bon, la pâte est un peu longue. Il y a toujours des petits trucs qui me dérangent. C'est déjà moins qu'avant. Bon, en plus, vous voyez clairement que la mimique, enfin, la sprite point d'interrogation et la sprite normale, c'était la même, juste que j'avais changé la bouche. Voilà, c'était vraiment parce qu'il m'en fallait une. J'aime bien son petit air enjoué. Non, je pense que je vais utiliser souvent celle-ci. Thank you.
avant qu'on ne me gueule dessus, le dessin que j'ai décalqué, c'était le mien. C'était un dessin que j'avais fait pour une commission, il me semble, ou un paiement d'adopte, je sais plus. Mais c'est le mien. Je peux le décalquer. C'est les droits à moi. Bon, bref. Donc, la chaise, la pose, elle a radicalement changé. Et franchement, je préfère comme ça. Même si le livre, il est un peu petit, c'est pas grave parce que... bon, j'ai plus mis les lunettes parce que ça fait bizarre. Mais... bah, c'est plus réaliste, forcément, parce que aucun chat ne va tenir un livre comme celui de droite. Mais puis surtout, celui de droite, en vrai, il est pas très beau, genre les oreilles, enfin la forme de la tête et tout, il a son cou, il est bizarre. Enfin, ouais, franchement, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Et puis les pattes, j'avais pas d'épaule. Bon, passons. Qui a un problème, hein. Regardez-moi cette bosse sur ses fesses, c'est pas possible. En fait, c'est parce que le croquis que j'ai pris, enfin la base là, ça correspond pas du tout à mon style de dessin. Moi, les félins, je les fais plus svelte, je leur fais des plus grosses têtes, des plus gros yeux, enfin, vous voyez, bon, l'expression du visage, on dirait un peu qu'elle vient de se faire posséder par Satan lui-même. Ouais, je suis un peu mitigée pour celle-ci, je vais peut-être la redra avant toutes les autres. Je ne sais pas, mais en attendant, je peux toujours l'utiliser, y a pas de souci à ce niveau-là. Chose à dire, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. J'aime bien son expression de visage un peu gênée. Non, vraiment rien de spécial. Concept totalement différent, c'est plus Eldor debout, c'est Eldor carrément paisible et tout. Non, franchement, je l'aime bien, j'aime bien son petit museau et sa position est assez cute. Non, je suis contente. Celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Elle est trop cute. La queue, j'aime trop. La position, j'aime trop. Elle est vachement mieux que celle d'avant, que j'aimais déjà bien, mais sans plus. Oh non, franchement, je suis trop fan. Dites pas ce que vous en pensez. Belle esthétiquement, bon, niveau proportion ça passe, mais non, franchement je l'aime bien, elle est marrante. Après, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez celle-ci à l'autre.
le dernier des sprites et franchement, il est pas mal. J'avais peur qu'il soit raté vu comment c'était parti, mais je l'aime beaucoup. J'aime bien l'expression du visage. On dirait vraiment qu'elle va casser des mouches. Surtout que celui du départ, je l'aimais pas du tout. Genre, les yeux, ils sont beaucoup trop petits. Il y a toujours ce blanc dégueulasse des oreilles. C'est. Non. Bon, du coup, je vous laisse sur cette image pour faire une petite conclusion. Je suis vraiment contente de Sœur de Drago. Il y aurait des trucs que j'aurais pu retravailler, mais ça a pris du temps et j'en suis vraiment contente. J'attends bien sûr du coup vos critiques, vos avis, tout ce que vous en pensez. Cette vidéo était ultra longue, je suis désolée, j'ai plus de voix. Il est actuellement 20h19. Je vais poster la vidéo juste après là parce que fou, niveau timing, on est short. Par contre, je sais pas trop ce que je vais faire pour la miniature. Bon, je verrai. Non, franchement, j'ai adoré faire ça et puis j'aime beaucoup mes nouveaux sprites, surtout celui où il a les fesses en l'air. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. En fait, ça fait un petit bout de temps que j'ai fait un GLMV, oh là là, sur Try Everything de Shakira. Je le poste ou enfin, comme vous voulez. Hein. Si vous, ça vous intéresse pas, dites-le moi. Ah, Vanny, moi je m'en fous. Sur ce, que le gratin vous bénisse. Kiss.